cest dire qu'il y a manipulation d'une personne A par une personne B lorsque les pensées, certaines pensées ou certains actes de la personne A sont déterminés par les agissements volontaires ou au moins orientés de la personne B sans que la personne A et clairvoyance du rôle déterminant de ses agissements. Au point qu'elle puisse avoir un grand sentiment de liberté lorsqu'elle énonce ses pensées ou qu'elle se comporte comme elle se comporte. Bon, J'espère que cette, cette définition est un peu... mais elle est indispensable. Hein elle est indispensable. Or maintenant vous allez me dire. Euh, m'avait posé une question sur les, la manipulation dans les relations humaines, je voudrais prendre deux exemples, deux cas, en me demandant s'il y a abus, si c'est un abus de confiance. Dans le premier cas, je me situe au niveau des relations interpersonnelles. Je me situe au niveau des relations interpersonnelles et je prendrai un exemple simple. Il y a un copain qui me ramène chez lui, chez moi, et subitement je me rends compte que j'ai rendez-vous à 10 km et que je risque d'être en retard. Je lui extorque de m'amener jusque-là par un petit apportage. Tu peux m'amener jusqu'à mon rendez-vous là Oui, 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 bon, ben allons-y, tu passes par là. Et puis je lui fais faire 10 km comme ça. Ça s'appelle un amorçage. Vous prendrez aussi dans le même ordre d'idée, quand un papa obtient de son gosse qui se mette au devoir parce qu'il il lui fait faire d'abord un devoir facile, ça commence par un dessin, puis après il lui balance l'imminence du contrôle de maths que le gosse aurait volontiers squeezé. Hein? Ça s'appelle un pied dans la porte, ça, vous voyez. Bon. Moi, j'aurais tendance à dire que. Il c'est bien de la manipulation au sens de la définition que j'ai donnée. Mais c'est une c'est dans le cours ordinaire de des choses. Vous voyez je n'ai aucune aucun jugement péjoratif sur la manipulation dans les relations interpersonnelles. Si on juge y a abus, si on juge qu'il y a abus, c'est parce qu'on a une image de l'homme dont j'ai envie de dire que c'est un pur fantasme social. L'image de l'homme comme quelqu'un qui traite l'information dans sa tête, de façon interne, délibère pour savoir ce qu'il doit penser et faire. Bon, je vous dis tout de suite, cette image de l'homme, elle est peut-être très belle, mais je ne l'ai jamais vue réalisée dans la vie ordinaire des choses, dans le cours ordinaire des choses. Je vous réponds tout de suite, non. Euh, L'obéissance ne, ne relève pas d'un abus de pouvoir. La réalité, c'est quoi La réalité, c'est que nous naissons dans des organisations. Nous nous éduquons ou nous sommes éduqués dans des organisations. Nous travaillons dans des organisations. Nous partons en vacances assez souvent dans des organisations. Nous mourons encadrés par les pompes funèbres. Nous passons notre vie dans des organisations. Les organisations, c'est le fait du pouvoir social. Je ne peux pas continuer sans dire un mot sur le pouvoir social. Le pouvoir social, ce n'est pas la domination. La domination, c'est un fait de nature. On trouve des individus qui dominent d'autres individus dans des groupes de rats, dans des meutes de loups, dans des clans de chimpanzés, etc. Le pouvoir social, c'est une invention humaine, et c'est une invention humaine qui est tardive, qui apparaît peu avant le néolithique, et qui est une sorte d'artefact typiquement humain pour l'atteinte d'utilité sociale, pour l'atteinte d'objectifs sociaux. Au début, quand on voit ça chez les hommes du néolithique, c'est la guerre ou la chasse, hein, les objectifs sociaux. Mais après, ça sera la construction, puis après, ce sera l'élevage externe. Bon. Or, le pouvoir social, qui est une spécificité humaine et qui est quasiment associé à la civilisation, implique l'obéissance. Il implique l'obéissance. Il implique que des gens acceptent d'entrer dans des organisations pour y être en position d'équivalence avec d'autres. Et dès l'instant où ils sont en position d'équivalence avec d'autres, ça veut dire qu'ils sont remplaçables, donc évaluables. Ils acceptent ça. Ils préféreraient dire Ah non, je suis unique, comme on nous le dit à la télé. Mais quand je suis au boulot, je suis en position d'équivalence avec d'autres. Ils acceptent de, ce qui est encore contraire à la nature, d'apprendre à se comporter d'une certaine façon qui est propre au groupement dans lequel ils fonctionnent. Ça, tout ça, c'est de l'obéissance. Tout ça, c'est l'obéissance. Donc, je vous dirais que, pour moi, quand je pense à tout ce que nous devons au pouvoir social, la question n'est pas pourquoi obéit-on C'est, on obéit partout, on obéit dans, de façon quasiment universelle. La question, c'est à qui obéit-on Et comment tient-on notre obéissance ah, voilà deux questions qui, elles, sont possiblement porteuses d'abus. À qui obéit-on C'est la question des structures. D'abord organisationnelles, par exemple la hiérarchie dans une organisation, qui renvoie aux structures sociales. Si la hiérarchie passe partout, c'est parce qu'elle est la seule structure organisationnelle compatible avec le pouvoir de minorité sur des majorités. Donc, vous voyez, là, il y a peut-être possibilité d'abus la deuxième question, c'est celle des modes de commandement. les modes de commandement, ils ont à traiter une, 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 un véritable paradoxe. le problème, c'est qu'on ne se contente pas de ça. on ne se contente pas de dire aux gens ce qu'ils ont à faire et comment ils doivent le faire. on en rajoute. on en rajoute pour les raisons que je disais tout à l'heure. on en rajoute parce que eh bien, on a, on a l'impression que la simple injonction dans l'exercice du pouvoir, est une sorte d'abus, une sorte de méchanceté, vu que les gens sont uniques, libres des individus. Mais enfin, je, heureusement, je dis heureusement, qui gardent ça pour les, la consommation, ces idées pour la consommation, et que quand ils rentrent dans une entreprise, dans une administration, dans un hôpital, ils savent qu'ils recevront des ordres, que ce soit des interdits ou des obligations. Maintenant, il faut trouver une façon pour donner du sens à l'obéissance, et un sens qui ne soit pas simplement le fait d'être dans une position de soumission. Cette modalité de... Commandement, c'est ce que j'ai appelé le mode d'exercice libéral du pouvoir. Il repose sur deux idées. Première idée, l'idée de liberté, ce qui est une façon de nier le fait qu'on donne un ordre. Deuxième idée, en appeler à la nature de la personne qui va obéir, à sa psychologie, pour justifier ce qu'on lui demande. C'est une façon de dire que ce n'est pas parce que tu es soumis que tu obéis, c'est parce que tu es fait comme ça. Oui. Exemple. Ce serait bien si aujourd'hui tu passais au contrôle qualité. Ça, c'est l'ordre. Oh, maintenant, hein, c'est devoir. Ça, c'est l'illusion de liberté. Mais j'ai quand même constaté que tu étais quelqu'un de particulièrement rigoureux, euh, qui ne se pas facilement distraire. Ça, c'est l'attribution du trait. Ce mode, vous voyez ce, ce comment se passe ce mode de commandement Il se passe comme si l'ordre n'était pas un ordre, mais même une façon d'amener la personne à réaliser sa nature psychologique. Ben là, je pense qu'il y a de l'abus. Je pense sincèrement qu'il y a de l'abus. Euh, je ne vois pas pourquoi, alors qu'on sait que les gens obéiraient. On le sait. Ils obéiraient parce qu'ils ne sont pas couillons. Ils savent qu'ils sont là pour ça. Pourquoi leur imposer cette illusion de liberté Alors que, là encore, je reviens à mon habitus de psychologue social des années et des années de recherche ont montré que les déclarations de liberté ne modifiaient pas le comportement. Les gens qu'on déclare libres se comportent exactement comme ceux qu'on ne déclare pas libres. La deuxième sorte d'abus que l'exercice le libéral du pouvoir permet de pointer c'est l'illusion personologique, l'illusion psychologique si vous préférez. Quand je dis à mon bonhomme je crois que tu es rigoureux, tu ne t'es je lui mets sur la tête la valeur qu'il doit réaliser en en faisant sa psychologie en psychologie sociale, on appelle ça de l'étiquetage. l'étiquetage, c'est, je me permets de le dire, c'est probablement la forme de manipulation la plus sournoise que je connaisse. il faut distinguer ce qu'est la, mani la manipulation par les amis à la manipulation dans les structures. La manipulation par les amis, je vous ai dit que pour moi j'y attribuais pas une, une valeur dramatique. Hein? Mais je crois que la meilleure façon de ne pas se faire trop avoir par les copains, par son papa, par ses par son conjoint, c'est chaque fois de lui faire expliciter les objectifs de leur demande. Dans les structures, c'est plus compliqué. Je pense que la première chose pour éviter de trop fortes manipulations, c'est de bien analyser les situations dans lesquelles on se trouve. Par exemple, ne pas se cramponner à ses décisions. En effet, de nombreuses manipulations reposent sur le fait que lorsqu'on a décidé quelque chose, on croit devoir s'y tenir. Savoir aussi considérer deux, deux décisions comme indépendantes. Mais il faut bien, c'est en considérant ces deux décisions comme des décisions parfaitement indépendantes, on a moins de chances de se faire manipuler. Encore une fois, vous avez des, des techniques de manipulation qui sont. Enfin, ce n'est pas des techniques, c'est des situations dans lesquelles on s'auto-manipule. Hein. Par exemple, l'escalade d'engagement. L'escale d'engagement repose sur le fait qu'on ne tient pas les décisions qui sont indépendantes comme réellement indépendantes. Et qu'on a tendance à s'accrocher à une décision initiale.